programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 25 janvier 2021 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Revenons d'abord sur l'événement principal de samedi qui se concourait du côté de Paris-Vincennes. Douxor de Guèze, qui tournait autour du pot, offre une nouvelle victoire de quintée plus à Jean-Michel Bazir. Dans une arrivée plutôt limpide, Top Prono et Turf Sélection indiquent le TRC et le quartet dans le désordre. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, les performances sont analogues. Les deux premiers du jour, UEDIA et JCC06, indiquent quartet désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Choco Cash arrive en troisième position et complète le podium du jour. Bravo à tous les trois. Après le magnifique quintet plus dominical, partons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour débuter une nouvelle semaine en ce lundi 25 janvier 2021. Le prix du Languedoc, cinquième épreuve de la Réunion 1, coup d'envoi sifflé aux alentours de 13h50, mettra aux prises des compétiteurs galopeurs âgés de 4 ans uniquement. Le parcours des 2000 mètres de la piste en sable fibré sera emprunté et espérons simplement que nos favoris tiendront la barre. Bozio, le numéro 3, n'est pas forcément un lauréat en puissance et il ne faudra pas forcément investir en jeu simple gagnant sur sa candidature. Supplémenté pour la circonstance, il est en revanche une très belle base de jeu pour le Quintet Plus. My Charming Prince, le numéro 1, reste sur une très belle victoire de Quintet Plus obtenue sur l'hippodrome de Chantilly. Très plaisant finisseur à cette occasion, il va tenter de répéter malgré une pénalisation au poids paraissant logique avant coup. Moondream, le numéro 2, a fait sensation après castration dernièrement pour sa rentrée en dominant la bonne Belle Anodine. Très bon finisseur, pour son premier handicap ici, avec 58 kg et Vincent Cheminot, il peut espérer réaliser une grande performance. Le président, le numéro 9, pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin participant lui aussi à son premier handicap, pourra compter sur la précieuse aide d'un Pierre-Charles Boudot ne touchant pas terre actuellement. Monsieur Xo, le numéro 5, piloté par un Grégory Benoît dont le début de saison est plus qu'honorable, mériterait tout simplement de renouer avec la victoire. Cœur Massin, le numéro 13, confié pour l'occasion à la jolie Ambre Molins et talenteuse surtout, va tenter de faire plaisir à l'entraînement Frédéric Rossi qui est triplement armé au départ de cette compétition. Sinon partant de dernière minute, il venait à y avoir, Yurok, le numéro 7, piloté par le talentueux Maxime Guillon, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.